Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais plus c'est le combienième épisode. Ah oui, c'est le cinquième épisode de notre let's play. Et voilà. Et là Marie veut me dire quelque chose. Donc voilà, tout est prêt Anna. Oh, je veux dire Madame le maire. Une nouvelle âme s'est installée dans notre belle ville aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir des nouveaux habitants pour souhaiter la bienvenue. Il y a un hôtel qu'un maire. Attentionné. Ils sont tout de suite chez eux. Donc c'est Ruby qui s'était installée dans ma ville la veille. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire sinon? Ah oui, je peux construire des bâtiments, on va dire, enfin des projets publics, parce que j'ai dans le dernier épisode j'avais fini ma côte de confiance. Voilà, petite téléportation sur le fauteuil. Ah, Madame le maire, vous tombez à pic. Votre permis de construire est prêt. Vous allez enfin pouvoir bâtir votre future ville en tant que maire. Vous pouvez participer au développement de notre ville de deux façons. La première consiste à promulguer des arrêtés. Cela permet de modifier l'orientation prise de la ville par la ville. Bien entendu, il convient de suivre certaines règles. Vous ne pouvez pas faire tout ce qui vous chante. En fait, une liste d'arrêtés vous est proposée et vous pouvez choisir celui qui vous semble le plus adapté. Essayez de la sélectionner, l'arrêté qui correspond au mieux aux besoins du monde. Votre deuxième mode d'attraction consiste à initier des projets de travaux publics. Cela comprend les bâtiments et divers équipements publics de bonbons. Je me suis déjà permis de dresser une liste des souhaits de nos citoyens à ce sujet. Si l'un de ces projets vous semble intéressant, sélectionnez-le pour lancer les travaux. Voilà pour le moment, je vous en dirai quand vous déciderez de vous atteler à une de ces tâches. Lorsque vous souhaiterez exercer des fonds de maire. Les fonctions de maire, asseyez-vous à votre bureau. Voilà. Donc on va s'asseoir. On va mettre un arrêté. On va mettre le charme parce que j'en ai marre de mes fleurs qui fanent. Et j'aimerais aussi mettre des hybrides, mais si les hybrides ça fane à part pour faire des roses en or. Oui, avec plaisir. Alors, son charme, voilà. Brillante idée, Madame le maire. Ah, j'imagine déjà le résultat. Sans cafard ni détritus. Exactement, donc je vais payer 20 000 clochettes. Et donc il me restera 17 000 clochettes, voilà. Travaux publics, on va mettre dans travaux publics. Voilà, donc Marie papote pour nous disant oui, voilà. On va passer un peu les dialogues. Donc au début on a le centre Rosetti. Alors on n'a pas vraiment ça, c'est juste que comme je n'ai pas sauvegardé à une partie. Bah et voilà, donc ils me l'ont mis. C'est qu'en fait pour avoir le centre Rosetti, il ne faut pas sauvegarder à une partie et puis après on pourra l'avoir. Mais bon, c'est quand même un peu cher, on regardait le prix en bas. Ensuite on a le pont en pierre, le pont suspendu, le banc jaune, le puits en pierre, la fontaine, l'horloge lampadaire, campement, clôture, bande d'incendie, panneau motif perso, panneau photo, panneau d'interdiction. Voilà, c'est tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le campement, parce que j'ai envie de mettre un campement. Ouais, c'est parti. C'est parti, je vais faire une autre petite téléportation pour aller... l'emplacement que je veux. Alors voilà où est-ce que j'ai mis le campement. On voit pas trop parce qu'il y a le pommier devant. Donc oui, c'est décidé. Parfait dans ce cas, voilà. Donc je sais plus, c'était 59 000 je crois. Donc j'ai que 17 000. Donc faudra réunir des fonds. Oui, et bien avec un peu d'imagination, considérez-le comme une boîte destinée à la collecte de fonds. Donc là, elle me parle du gyroïde. Voilà. Alors, on va tout de suite enlever le pommier. On va tout de suite enlever le pommier qui est juste devant. Hein. Hop, hop, hop. On enlève le truc. Et voilà, donc on va donner un petit peu. J'espère que les habitants vont nous donner un petit peu pour réunir les fonds, même si en général, ils ne donnent pas beaucoup.
Je vais en donner 7000. Donc désolé, vous allez voir mon doigt passer 7316. Il reste 52 000 à payer. Voilà, je récupère les petites pommes. Et dans le prochain épisode, je pense qu'on inaugurera le projet. Avant de nous quitter, on va juste voir notre nouvel habitant qui est Roby. Donc je pense qu'il est encore dans ses cartons. Il n'a pas fini, je pense, de les déballer. Voilà déjà sa maison. Voilà, on le retrouve tout de suite. Donc voilà, nous sommes dans sa maison, je connais par cœur comment sont ses meubles, quel caractère il a, enfin non, je me rappelle plus. Mais bon, bonjour Roby, ah, elle est trop mignonne. Ah, désolée, mais tu tombes un peu mal, je dois dire, je me présente, je m'appelle Roby. Je suis certain que toi et moi allons devenir les meilleurs amis du monde. C'est trop mignon, mais aujourd'hui avec tous les cartons à déballer, ah, ça me rend folle. Repasse demain, tu veux bien. Demain, ça ira mieux. Donc voilà, nous allons nous quitter avec Roby. Elle est trop mignonne, moi, je trouve. N'hésitez pas à me dire par commentaire votre avis. Voilà, sur ce, on va se quitter. Donc n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous pensez du let's play aussi en commentaire. Vous pouvez mettre des j'aime aussi, des petits pouces bleus, ça me ferait aussi vraiment plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment même à mettre votre avis dans les commentaires. Voilà, même s'ils ne sont pas toujours positifs, j'aimerais bien avoir vos avis sur le let's play. Si vous, voilà, après ne soyez pas trop méchants, hein. Pour vous dire, c'est la première fois que je fais un let's play. Enfin non, c'est la deuxième fois. Mais bon, aussi n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Et on se dit à la prochaine. Donc voilà, avec petit Roby, hein. T'es d'accord Roby, hein? 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 On les laisse, hein? D'accord? Ouais. Bon, il a dit oui. Donc, allez, on se dit à la prochaine. Salut les gens.